Bonjour et bienvenue dans cette présentation du module de gestion des revues de Waterbear. Alors, la première chose, pour accéder à la gestion des revues à partir de la page d'accueil, comme d'habitude, je rappelle que pour accéder à la page d'accueil, vous cliquez sur la petite maison qui se trouve ici dans la barre latérale et vous avez un pavé revue qui vous permet de réceptionner les revues, c'est ce qu'on appelle le bulletinage, de créer une nouvelle revue ou de faire une recherche dans les revues existantes. Alors, le module de gestion des revues de Waterbear a vraiment été conçu pour vous permettre de simplifier au maximum le bulletinage. Donc le bulletinage, c'est cette opération qui consiste tous les jours à recevoir vos revues, toutes les nouvelles revues de la journée, les quotidiens, les hebdos, les mensuels. C'est une tâche très répétitive et c'est rapidement pénible d'avoir à multiplier les manipulations. Donc Waterbear est vraiment conçu pour faire ça en moins de 5 secondes pour réceptionner une revue. Alors, la seule difficulté avec les revues, c'est de comprendre le modèle, c'est-à-dire de comprendre comment ça fonctionne, parce que dans les revues, on a beaucoup d'éléments différents. Alors, voici un schéma, ça peut paraître un petit peu complexe, mais je vais vous expliquer des différents éléments qui interviennent dans la gestion des revues. On va prendre l'exemple de la revue Science et Vie. Donc, Science et Vie, vous voyez ici, c'est un titre de revue. On a un seul titre de revue, Science et Vie, pour tous les exemplaires et pour tous les titres de Science et Vie qui sont parus depuis des années, c'est toujours Science et Vie. Voilà. Maintenant, une bibliothèque, par exemple un réseau de bibliothèques, peut avoir plusieurs abonnements à Science et Vie. Par exemple, si on est dans un réseau de 7 bibliothèques, on peut très bien envisager qu'il y ait deux bibliothèques sur le réseau qui soient abonnées à Science et Vie. Donc, au titre de revue Science et Vie, on va associer un ou plusieurs abonnements qui vont être généralement localisés dans des bibliothèques différentes, très souvent. Ensuite, Science et Vie, c'est un mensuel, donc chaque mois, vous avez un nouveau numéro de Science et Vie qui paraît, donc ils sont présentés ici. C'est ce qu'on appelle aussi des fascicules. Donc voilà, vous avez le fascicule de mars 2014, d'avril 2014, de mai 2014. À chaque fascicule, il y a un numéro associé, 123, 124, 125, etc., etc. Et donc à chaque fascicule, par exemple le dernier qu'on a reçu, là, le numéro de mai 2014, on va avoir des exemplaires. On va avoir autant d'exemplaires qu'on a d'abonnements. C'est-à-dire que si on a deux abonnements pour deux bibliothèques différentes, et ben quand on va recevoir le fascicule de mai 2014, on va le recevoir en deux exemplaires qui vont être localisés chacun dans une bibliothèque différente. Donc vous voyez que les exemplaires, ils correspondent à la fois à un fascicule déterminé et à un abonnement déterminé qui va donner sa localisation, généralement. Et puis dernier élément, cinquième élément, il y a ce qu'on appelle le dépouillement. Donc le dépouillement, c'est par exemple pour le fascicule de mai 2014, eh ben j'ai repéré qu'il y avait des articles, un certain nombre d'articles intéressants dans ce numéro de mai. Je sais pas moi, un article sur la fusion froide, un article sur les mythes, etc. Et bien je vais décrire éventuellement ces articles dans mon catalogage. Donc vous voyez que la gestion des revues dans Waterbear, elle se fait à 5 niveaux. Le niveau du titre de revue. À ce titre de revue, on va associer des abonnements. Ensuite, le bulletinage va nous donner des fascicules, des numéros, et à chaque fascicule va correspondre un ou plusieurs exemplaires qui sont liés aux abonnements. Et enfin, on a le niveau du dépouillement avec les articles. Voilà, alors ce point un peu théorique étant fait, on va montrer maintenant comment ça se passe en pratique dans Waterbear, et on va commencer par créer une nouvelle revue. Donc, à partir de la page d'accueil, on va cliquer sur « Nouvelle revue », et on va arriver sur un formulaire de catalogage tout à fait qui ressemble tout à fait à ce qu'on avait déjà vu pour les livres, etc., etc. Alors généralement pour un titre de revue, on n'a pas forcément besoin de rentrer beaucoup d'informations parce qu'en vérité, en pratique, on se fiche un petit peu de savoir quel est le rédacteur en chef, qui s'occupe de la revue, etc., etc. Il y a deux informations essentielles au niveau du titre de revue. C'est ça, l'ISSN. Alors en fait, l'ISSN, c'est pas forcément vraiment l'ISSN, mais c'est le numéro de code barre que vous avez sur les revues, le numéro de code barre commercial. Alors ça, c'est vraiment intéressant de le noter, parce que ça va vous permettre, au moment du bulletinage, de gagner du temps. Vous aurez juste à scanner ce code barre pour vous positionner sur votre revue.
Et puis, vous allez avoir le titre de la revue. Sur ça, sur ça à venir. Voilà. Après, vous pouvez, comme pour n'importe quel titre, saisir un auteur, enfin un ou plusieurs auteurs, éventuellement rajouter des sujets, des indices du web, etc., etc. Tout ce que vous voulez, pas de souci. Mais les deux informations importantes, c'est ça, l'ISSN et le titre. Nous, on va se contenter de ça. On enregistre. Et puis après, vous voyez que vous avez ici un onglet abonnement. Donc les abonnements, c'est ce qui va remplacer les exemplaires. Hein. Dans une notice de livre, par exemple, vous allez décrire les exemplaires. Là, dans une notice de titre de revue, on va dire quels sont nos abonnements pour cette revue. Donc là, pour la démonstration, on va créer deux abonnements. On va dire qu'on est abonné dans deux bibliothèques différentes à cette revue pour montrer comment ça se passe au niveau du butinage. Alors, j'ai mon premier champ ici, abonnement. Pour le modifier, je clique sur cette icône, créer ou mettre à jour cet abonnement. Vous voyez que dans un nouvel onglet, il m'ouvre, voilà, la fiche de catalogage de l'abonnement. Alors, on va définir le type mode de parution. Donc, sur C'est à venir, c'est un mensuel. Alors, si c'est un quotidien, on dit quel jour il paraît. Normalement, un quotidien paraît tous les jours, mais il peut arriver par exemple qu'il ne paraisse pas le dimanche ou qu'il ne paraisse pas le samedi. Mais là, je ne suis pas concerné puisque c'est un mensuel. Par contre, paraît les mois. Quel mois il paraît? Il y a beaucoup de revues, par exemple, qui ne paraissent pas au mois de juillet ou au mois d'août. Là, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de Sciences et Avenir. On va dire dans un premier temps, vous verrez après que c'est très facile de modifier les informations. On va dire qu'il paraît tous les mois, peu importe. Ensuite, la parution. Quel est le jour de parution? C'est-à-dire le jour de la semaine où il paraît. On va dire que c'est par exemple, c'est une revue. Qui paraît, eh ben, disons, le lundi. Ça peut être le lundi, mardi, mercredi. Et puis, quel est là pour un mensuel, donc pour une revue qui paraît tous les mois, quelle semaine dans la semaine, dans le mois, pardon, il paraît. Est-ce qu'il paraît la première semaine, la deuxième semaine, etc. On paramètre une marge d'erreur, donc ça, ce sera au moment de la réception pour savoir si, une fois qu'on a calculé qu'il devait paraître normalement, je sais pas moi, le 3 septembre, et ben on se donne une marge d'erreur en jour pour savoir si on est dans la période pendant laquelle la revue devrait paraître ou si on a dépassé ou si au contraire on n'y est pas encore. Là, pour un mensuel, on va se donner par exemple une marge d'erreur de 2 jours, ça veut dire 2 jours avant, 2 jours après. On va indiquer le prochain numéro, ça je peux pas savoir, mais il faut avoir une revue en main, on va dire, je sais pas, quoi, numéro 1000. Et puis la prochaine date de parution estimée, alors toujours au format américain, hein, c'est-à-dire année-mois-jour. Voilà. Ensuite, notre abonnement, jusqu'à quand il est valide? On va dire qu'il est valide encore un an, donc jusqu'en 2015. Ces informations qui ne sont pas essentielles et qu'on peut corriger après, hein, si vous ne connaissez pas tout de suite. Est-ce qu'il est actif? Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours abonné. Voilà, et puis cette dernière partie, c'est le modèle de l'exemplaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va butiner, à chaque fois qu'on va recevoir un nouveau numéro, il va créer un exemplaire, il va créer des exemplaires, et quelles sont les informations à mettre dans l'exemplaire? Alors, le modèle d'exemplaire, pour l'instant, il n'y a qu'un seul modèle, c'est le modèle standard. Dans Waterbear, qui est un logiciel très paramétrable, on peut créer des modèles d'exemplaires avec un certain nombre de champs, de sous-champs, qui seront utilisés au moment du butinage pour créer l'exemplaire. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul modèle, mais dans vos bibliothèques, vous pouvez éventuellement créer plusieurs modèles. Et puis ensuite, il y a des informations qui sont paramétrables. On va rentrer dans cet exemplaire. Par exemple, la section, c'est une revue adulte. Dans quelle bibliothèque? Donc là, c'est intéressant, on va mettre pour l'instant Bibliothèque Ermeland. Et puis l'emplacement, bah, c'est une revue de sciences. Alors on va mettre documentaire sciences. Voilà. On a terminé, on enregistre. Et vous voyez que mon champ abonnement s'est mis à jour automatiquement. Alors on va créer un deuxième abonnement pour les besoins de la démonstration qui sera localisé dans une autre bibliothèque. Donc vous voyez que j'ai cliqué sur cette petite icône pour ajouter un champ abonnement. Je vais aller en modification. Donc on va mettre les mêmes informations. C'est un mensuel qui paraît tous les mois. Il paraît le lundi, la semaine 1, marge d'erreur, on avait dit 2 jours, le prochain numéro, c'était le numéro 1000,
qui paraîtrait le 1er septembre, un abonnement est actif jusqu'en 2015. Sauf que là, cette fois-ci, on va le localiser dans une autre bibliothèque. On va le localiser, par exemple, à la bibliothèque Sion. Et par contre, c'est toujours des sciences. Enregistre. Voilà, on a notre deuxième exemplaire qui est paramétré. Maintenant, on enregistre. Voilà, on a créé notre notice de titre de revue et nos abonnements. Donc, pour reprendre notre schéma tout à l'heure, on a créé ici le titre de la revue et on a créé deux abonnements qui sont liés à deux bibliothèques différentes. Maintenant, on va voir toute cette partie-là. Le butinage, c'est cette partie-là normalement qui est longue et fastidieuse. Et là, vous allez voir que dans Waterbear, c'est très rapide. Alors, on revient sur la page d'accueil et on va aller cette fois-ci dans la rubrique réceptionner les revues. Voilà. On arrive sur un formulaire de saisie. Et là, il y a deux manières de faire. Donc, on va se mettre dans ce champ. Vous voyez, scanner les codes barres commerciales de votre revue ou saisir les premières lettres du titre. Donc là, c'était Sciences et Avenir. Vous voyez que si je commence à saisir, il me propose les titres. Donc là, j'ai Sciences humaines, Sciences et Avenir. Mais le plus simple, naturellement, le plus simple, c'est de scanner tout simplement le code barre de la revue. C'est pour ça que je vous disais qu'il valait mieux le saisir. Ça permet vraiment de gagner du temps, même si bon, la recherche par mot du titre est assez rapide. Et là, vous n'avez même pas besoin du clavier. Vous scannez votre numéro, le code barre commercial du document. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez votre titre de série et vos deux abonnements. On avait créé deux abonnements pour la série. Et là, vous voyez que vous avez l'abonnement qui est localisé à Hermeland, section adulte, et l'abonnement qui est localisé au Sillon, section adulte. Il vous dit prochain numéro attendu, numéro 1000 dans les deux cas, et prochaine date, 1er septembre 2014, c'est ce qu'on avait paramétré tout à l'heure. Là, vous voyez que les deux lignes sont de couleur verte, ça veut dire que on est pile le jour, on est le 1er septembre 2014, donc on est pile le jour où on attendait nos revues. Il y a un jeu de couleurs qui permet de savoir un petit peu, parce qu'on a envie d'aller très vite quand on butine, donc ça va tout de suite sauter au visage, est-ce que tout va bien, est-ce qu'on est bien dans les jours où c'est attendu, ou bien est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'on a du retard ou est-ce qu'on a de l'avance. Je vais vous montrer ces différents jeux de couleurs. Voilà, là j'ai changé une date, pour un des abonnements j'ai dit que le prochain numéro attendu était pour le 2 septembre 2014, alors qu'on est le 1er septembre, mais vous vous souvenez j'avais mis une marge de deux jours avant, deux jours après. Donc là on est toujours dans la marge, à l'intérieur de la marge, donc on est dans une situation intermédiaire, il n'y a pas d'inquiétude, on n'est pas pile le jour attendu, mais on est dans la zone de réception attendue, donc là on a une couleur orangée. Voilà, maintenant j'ai fait une autre modification, cette fois-ci j'ai changé, j'ai mis numéro attendu le 1er août, alors qu'on est le 1er septembre, donc là on a franchement du retard, on a un mois de retard, donc on passe en couleur rouge, ça veut dire qu'a priori il y a un souci avec cet abonnement, certainement qu'il y a un numéro qu'on n'a pas reçu, qu'il y a eu un problème. Voilà, dernière modification, là vous voyez cet abonnement, je l'ai fait passer des prochains numéros attendus 1er octobre 2014, alors qu'on est le 1er septembre, donc c'est dans l'avenir, donc là on passe en couleur grise, ça veut dire qu'a priori on n'attend pas, on n'est pas censé attendre encore un numéro pour cette revue. Voilà, donc le jeu de couleurs vous permet tout de suite de voir s'il y a des problèmes, si tout va bien, ce qu'il en est. Alors je recommence, je repars à zéro, on scanne le code barre de notre revue, on voit nos exemples, nos abonnements par contre. Pardon. Et là, on n'a que du vert, donc a priori, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? On a juste à scanner maintenant nos numéros d'exemplaires. Et vous voyez que, voilà, il va automatiquement... Donc là, on a deux abonnements. Donc normalement, en théorie, j'ai reçu deux numéros. Donc, je vais scanner deux fois un exemplaire et vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc vous voyez qu'il nous a créé plusieurs choses. Il nous a créé deux choses, et à chaque fois il nous a créé donc un fascicule, le fascicule 2623, et il est à nouveau là, c'est-à-dire qu'il nous a créé un fascicule qui est le même, et par contre deux exemplaires. Donc le fascicule c'est le numéro 1000 du 1er septembre 2014, 1000 avec la date. L'exemplaire, il y en a un qui est localisé, comme on a dit, à Hermeland, le deuxième qui est localisé au Sillon.
Vous voyez qu'au niveau de nos abonnements, on est passé en gris. Il nous dit prochain numéro, c'est le numéro 1001, à la date du 1er octobre, c'est-à-dire dans un mois. Donc voilà, là on n'attend plus rien. Et tout a été créé. Vous voyez, on a eu juste à scanner le numéro de code barre commercial de la revue, puis ensuite les deux numéros d'exemplaire. On n'a même pas eu besoin du clavier, on n'a pas eu besoin de la souris. Tout a été créé automatiquement. Le fascicule du mois de septembre, et pour ce fascicule, les deux exemplaires. Alors, un des points forts de Waterbear, c'est qu'au moment de la création, vous voyez, toutes les informations-là sont directement modifiables. Si par exemple, au niveau de mon fascicule, le titre, là, il génère un titre par défaut, qui est le numéro et la date, numéro 1000 du mai 2014, 01. Finalement, ça ne me plaît pas, j'ai envie d'un titre un peu plus expressif, et là, mon numéro de septembre de Science et Avenir, il parle de la fusion froide, je peux très bien mettre fusion froide. Voilà, ce sera mon titre. J'ai juste à faire ça et le titre est enregistré. Si je vais sur le fascicule, donc il suffit de cliquer sur le numéro du fascicule qui m'ouvre dans un nouvel onglet. Vous voyez que j'ai bien le titre, fusion froide. La série, c'est Science et Avenir, numéro, le tome 1000. Et si je vais dans mes exemplaires, eh bien j'ai bien mes deux exemplaires qui ont été créés. Un exemplaire à Hermeland et un exemplaire au Sillon. Et en plus, dans le paramétrage que je vais demander, ils sont piégés en consultation sur place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emprunter le dernier abonnement. Alors vous voyez que c'est très simple, toutes les modifications là, tout peut être modifié ici, très facilement, le titre, le numéro, la date, mais on peut aller également en catalogage très simplement. Si je veux modifier le titre de série, j'ai juste à cliquer ici sur le titre, Science et Avenir. Et vous voyez qu'il m'ouvre la notice du titre Science et Avenir. Si je veux modifier mon numéro de mon fascicule, je clique sur mon numéro de fascicule et j'arrive sur mon fascicule. Et si je veux modifier mes exemplaires, je clique sur mon numéro d'exemplaire et je suis sur la fiche exemplaire. Vous voyez, il n'est pas plus simple. Et comme d'habitude dans Waterbear, vous avez la possibilité aussi d'utiliser le menu contextuel avec le clic droit. Si par exemple je veux réserver mon fascicule pour un lecteur, je fais un clic droit et hop, je pars en réservation de ce numéro de fascicule. Donc, vous voyez, toutes les informations sont modifiables très rapidement. Ah oui, encore quelque chose qui peut se modifier très rapidement, les abonnements. Même principe, si je fais un clic là sur mon abonnement à Hermeland, il m'ouvre la fiche d'abonnement. Si je me rends compte au moment de la réception que ah bah finalement il paraît pas au mois d'août, je clique dessus, je décoche le mois d'août. Et c'est pas plus compliqué que ça. Dans le même ordre d'esprit, je me rends compte que finalement, puisqu'il n'y a pas de, il paraît pas au mois d'août, le prochain numéro, le numéro 1001, il va pas paraître par exemple au mois d'octobre, mais au mois de novembre, je dis n'importe quoi. J'ai pas besoin de m'embêter, je modifie juste ici la date du prochain numéro apparaître, vous voyez, et c'est tout. On n'a même pas besoin d'aller dans l'abonnement ou quoi que ce soit. Toutes les modifications peuvent se faire directement sur cet écran, à ce niveau-là, très très simplement. Une fois que j'ai fait ça, mes deux revues, je peux passer à la revue suivante, donc soit en commençant à saisir comme ça, soit en scannant le code barre commercial. Donc vous voyez que le bulletinage dans Waterbear se fait vraiment de manière très très simple. Alors je reviens sur ma revue Science et Avenir. Là, on a vu le bulletinage dans ce premier onglet. Vous voyez qu'en fait, on a trois onglets au niveau du bulletinage. Le premier onglet, c'est le bulletinage numéro dans une série, c'est-à-dire que on bulletine, on réceptionne les numéros au fur et à mesure qu'on les reçoit, c'est-à-dire c'est la série normale, numéro 1000, 1001, 1002, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Si on va dans le deuxième onglet, on va pouvoir recevoir des numéros, alors soit des numéros hors série, c'est-à-dire qui ne figurent pas dans la suite, un numéro spécial. Entre le numéro 1000 et le numéro 1001, on va avoir un hors-série sur, je sais pas, un thème particulier. Soit alors, on a des anciens numéros, par exemple, il y a eu un accident, on n'avait pas reçu les numéros 998 et 999, parce qu'il y avait eu un souci de livraison, on a porté réclamation, et puis on les reçoit, mais 3 mois plus tard, entre-temps, on a déjà reçu le numéro 1000, le numéro 1001, le numéro 1002. Donc, on veut pouvoir réceptionner ces anciens numéros, ces numéros hors-série, mais on ne veut pas modifier, pour autant, le prochain numéro prévu, c'est-à-dire que le prochain numéro, là même si je viens de recevoir des vieux numéros, disons le numéro 998, le prochain numéro que je devrais recevoir normalement, ça c'est bien le numéro 1001, je veux pas que ça change.
Donc si je veux réceptionner d'anciens numéros ou des numéros en série, je vais ici dans l'onglet hors série, anciens numéros. Je précise à quel abonnement c'est lié, soit l'abonnement Hermeland, soit l'abonnement Sillon. Je précise le titre. Alors là par exemple, ça sera on va dire hors série sur l'archéologie, peu importe. La date de réception, bon là je l'ai reçu le 1er septembre. Voilà. Et puis on va juste voilà, scanner le numéro du code barre. Il va nous réceptionner donc, ce numéro hors série. Vous voyez, il nous crée un fascicule, un nouveau fascicule, avec un exemplaire lié, mais il n'a pas modifié cette fois-ci. Voilà, le prochain numéro, c'est toujours le numéro 1001. Ça n'a pas, ça n'a pas été, ça n'a pas été modifié. Voilà. Alors là, on a vu donc cette première étape, création du titre de revue avec les abonnements. On a vu cette étape qui est le bulletinage, donc c'est l'étape la plus importante, la réception tous les jours des nouveaux titres pour la bibliothèque et la création des fascicules et des exemplaires qui sont liés. Il nous reste à voir ce cinquième type d'objet que sont les articles. Donc là, vous allez voir, c'est très facile. Par exemple, ce numéro de fascicule, là, ce hors-série sur l'archéologie qu'on a reçu. Admettons qu'il y a dedans un article qui nous intéresse particulièrement, qui nous trouve très intéressant sur les Indo-Européens. Et ben, on clique sur le numéro du fascicule. Il nous ouvre la notice du fascicule. On va aller dans l'onglet dépouillement. Alors, le dépouillement, traditionnellement, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on considère que l'article est autonome et finalement l'article mériterait une notice de catalogage par lui-même, indépendamment vraiment de savoir dans quelle revue il se trouve. Soit on considère que l'article est comme un morceau, même titre qu'un titre dans un CD, un morceau du périodique. Ce qui compte, c'est le périodique et l'article est un élément du périodique. Donc dans Waterbear, on peut faire les deux méthodes. Mais dans la version de Waterbear en ligne qui est proposée, qui est à destination plutôt des petites bibliothèques, j'ai privilégié la deuxième solution qui est plus simple. Donc au niveau de la description de l'article, là on a moins d'éléments pour simplifier. Donc on peut juste saisir le titre et l'auteur avec éventuellement, on peut rajouter des informations comme la pagination, éventuellement une note. Par contre, si on veut saisir des sujets, ce sera plutôt au niveau du fascicule, hein, à ce niveau-là, on pourra rajouter des sujets, etc., etc. Donc là, pour notre article, on a un article sur les Indo-Européens, par exemple. Voilà, on peut mettre éventuellement un auteur, si on le souhaite, on enregistre. Et voilà, on a fait notre dépouillement, c'est-à-dire que les articles. Ces articles, ils vont apparaître, ils seront accessibles à la recherche par le titre de l'article et ils seront visibles quand on affichera la notice du fascicule. On verra la liste des articles qu'il contient. Alors, quelques autres petites précisions. Quand on est ici, là, donc en train de bulletiner notre revue Sciences et Avenir, on a ici un menu Rebondir qui va nous permettre d'afficher tous les fascicules de ce périodique ou les fascicules de l'abonnement sélectionné. Donc, si je fais afficher tous les fascicules de ce périodique, je pars en recherche, donc là vous voyez que c'est un formulaire de recherche. Je peux rajouter des critères et j'ai la liste de tous les fascicules que j'ai bulletinés pour ces périodiques. Donc, il y avait le numéro 1000, vous vous souvenez, qui possédait deux exemplaires qui apparaissent ici. Et puis il y avait le hors-série qui possédait un exemplaire. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je peux aussi, voilà, si je veux juste l'abonnement Sillon, par exemple, je veux avoir juste les fascicules de cet abonnement. Donc là, j'avais juste le numéro. Ces informations, on les a également au niveau de la notice. Donc, si je retourne sur la notice du titre de série, j'ai pareil un menu Rebondir dans lequel je peux afficher les notices filles. Donc là, j'aurai la même chose, mes fascicules. Et si je vais dans la notice de l'abonnement, alors là c'est pas un menu rebondir mais ça changera à l'avenir, c'est une petite icône, mais pour homogénéiser, je vais mettre aussi un menu rebondir. Donc là j'ai juste les fascicules liés à cet abonnement. Donc ça permet vraiment de savoir
où on en est au niveau de la réception des fascicules. Même chose ici à ce niveau-là, quand vous êtes dans le butinage, vous pouvez facilement passer en mode création d'une nouvelle revue, mode butinage, ou ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est rechercher une revue. Donc là, vous avez un formulaire de recherche habituel qui va vous permettre, voilà, de rechercher toutes vos revues. Voilà, donc là vous voyez que vous avez juste trois revues. Donc là on a la revue qu'on a créée tout à l'heure, qui va nous permettre après d'aller en modification, en catalogage, etc., etc. Voilà, j'ai terminé cette présentation du module de gestion des revues de Waterbear. À bientôt!